Depuis 50 ans que Marie délivre mes suites. Depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui, là, je n'ai pas vu. www.casarema.fr. Prêcher sur l'onction royale. Et par après, je vais prier pour tout le monde que vous pouvez recevoir cette onction-là. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin d'onction. Si tu sers Dieu, même si tu es chrétien, tu es ministre de Dieu, serviteur de Dieu, tu es chantre, tu es intercesseur, tout le monde a besoin de cette onction. Amen, amen. Bien-aimés, sans l'onction, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras jamais aller de l'avant. Mais c'est grâce à l'onction que les gens vont témoigner que réellement tu as quelque chose de Dieu. Alléluia. Réponds-moi avec des amen, bien-aimé. Est-ce que je m'adresse à une personne parmi nous? Amen. Si tu es sensible, tu vas recevoir cette onction. Amen. Dites amen. Amen. Alors, la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a poussé de prêcher sur l'onction royale. Et par après, je vais prier pour toute l'église que chacun de nous puisse recevoir cette onction. Amen. Parce que si tu es rempli de l'onction, bien-aimé, tu n'auras pas peur des démons, Amen. Tu n'auras même pas peur des gens, même s'il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie, tu vas croire que tu as l'onction de Dieu. C'est l'onction qui fait la différence. Amen. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il est dit grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. C'est-à-dire, pour que la montagne puisse être aplanie devant toi, il faut avoir quoi? L'onction. Aujourd'hui, vous avez des problèmes sérieux, même dans vos mariages, dans vos foyers, vous avez des problèmes parce que vous n'avez pas d'onction. Mais si vous avez d'onction, bien-aimé, il y aura toujours des solutions. Amen, amen, amen. Alors pour ça, je vais vous parler de deux personnes que je connais dans la Bible qui étaient oints par des prophètes. Mais je vais commencer d'abord à vous parler du roi Saoul avant de vous parler pour David. D'abord, comme définition, l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour son œuvre. Je répète pour une meilleure compréhension. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour son œuvre. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'élit, il ne va jamais te laisser comme ça. Dieu va te remplir d'une onction. Comme tu es là, tu as l'onction, peut-être avec l'ignorance, tu ne sais pas que tu as déjà l'onction. Mais nous avons plusieurs sortes d'onction. Même si tu as l'onction, il faut que cette onction-là puisse grandir. Amen. Amen. Et royal, mot royal, ça veut dire quoi? Royal, qui est propre au roi, à sa fonction. Le pouvoir royal qui appartient, se rapporte à un roi. Exemple, un palais royal. C'est-à-dire, quand on parle de roi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est élevé au dernier niveau. Amen. Amen. Alors, l'onction royale, c'est quoi? Quand vous recevez l'onction royale, il y aura la bénédiction qui va vous accompagner, mais il y aura aussi des problèmes qui vont vous accompagner. L'onction, c'est comme une ampoule. Si vous mettez l'ampoule à la maison, soit à l'extérieur de la maison, soit dans des rues comme ça, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que, comme il y a la lumière, il y aura des insectes qui viendront tourner dans cette ampoule. Pourquoi? Parce que ça tire. L'onction attire. Et l'onction marque la différence. Amen. Et l'onction va attirer même des insectes. L'onction va attirer la bénédiction. L'onction va attirer aussi des problèmes sérieux dans ta vie. Amen. Mais cela ne veut pas dire que comme tu as des problèmes, tu n'as pas l'onction. Non, tu as l'onction. Amen, hein? Amen. Mais tu vas comprendre pendant que je dois parler de l'onction. Alors, l'onction doit couler dans la vie d'un homme de Dieu ou bien d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? L'onction ne peut jamais être comme des graisses. Vous connaissez du graisse, non? Oui. Ah. Graisse, c'est d'huile aussi, mais ça ne coule pas, c'est bloqué. Or, l'onction doit couler. Amen. Quand j'ai dit que l'onction doit couler,
Cela veut dire que dans ta vie, tu es condamné à vivre des miracles. Dans ta vie, tu es condamné à vivre l'élévation parce que tu as l'onction. Et cet après-midi, tu vas recevoir cette onction. Amen. Alléluia. Amen. À moins que ce Jésus n'ait pas ressuscité. Amen. Mais si réellement ce Jésus est ressuscité, et si réellement j'ai vu sa tombe et resté vide jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas recevoir cette onction. Amen. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de prêcher, il y a l'onction qui coule déjà. Amen. Je vois déjà d'autres personnes qui sont sensibles, qui ont commencé déjà à recevoir cette onction. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. L'onction va commencer à circuler dans la salle. Amen. Pendant que je prêche. Amen. Car je connais ce Dieu. Amen. Je connais ce Jésus. Amen. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Nous avons plusieurs sortes d'onction. L'onction de la foule. L'onction financière, l'onction des miracles. Ça, je vais vous parler ça après. Mais je vais d'abord parler de l'onction. Amen, amen. L'onction royale. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un qui est rempli de l'onction, il doit régner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut diriger un roi? Non. C'est-à-dire qu'un roi est au-dessus. Il est au dernier niveau. Amen. Merci, amen. Ma sœur. C'est cette onction que tu vas recevoir aujourd'hui. Amen. 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 Donc, un roi est au-dessus même des directeurs, des PDG, des gérants, parce qu'il est roi. Il est au dernier niveau. Et ça va couler aujourd'hui, cette onction. Amen. Pourquoi tu seras tourmenté par des démons? C'est parce que tu n'as pas l'onction. Mais si tu as l'onction royale, bien-aimé, les démons ne pourront même pas t'approcher. Parce que tu as cette onction. Amen. 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 Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait au nom de Saoul. Cet homme, il était en Israël, il vivait en Israël. Mais il ne savait pas qu'il était roi. Laisse-moi te dire, comme tu es là, tu as quelque chose de Dieu, mais peut-être toi-même tu es ignorant. Peut-être ta famille sont ignorants. Mais je suis venu te dire cet après-midi que tu as quelque chose de valeur. Amen. Le jour que tu vas te découvrir que tu as quelque chose de valeur, bien-aimé, tu ne pourras jamais accepter que les gens te minimisent. Parce que tu as quelque chose de valeur. Amen, amen. Que même les présidents du monde n'ont pas ça. Amen. Et la Bible nous parle de l'histoire d'un peuple qu'on appelait peuple juif, peuple d'Israël. Peuple d'Israël, il était un peuple qui était conduit par des juges. À cette époque, Dieu dirigeait le peuple d'Israël à travers les juges. Mais tandis que dans d'autres nations, ils étaient dirigés ou gouvernés par des rois. Mais un jour comme ça, le peuple d'Israël, ils se sont décidés en disant, mais non, nous ne voulons plus être dirigés ou gouvernés par des juges, mais nous voulons être dirigés ou gouvernés par des rois. Or, Israël avait oublié que lui, il était un peuple mis à part. Amen. Alléluia. Amen. Oh, cet après-midi, je suis venu dire à une personne qu'il est un peuple mis à part. Amen. Tu n'es pas les autres. Amen. Si les autres pleurent, toi tu ne pourras jamais pleurer. Amen. Parce que tu es un peuple mis à part. Quand on dit peuple mis à part, c'est-à-dire que tu as quelque chose de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu te connaît et Dieu t'appelle par ton nom. Amen. Et toi tu vas répondre, mais voici mon Père, je suis là. Mais voici mon Père. Envoie-moi. Amen. 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 Et Israël, il a décidé en disant que non, nous ne voulons plus être dirigés par des juges, mais nous voulons être dirigés par des rois comme d'autres nations. Écoute bien, comme d'autres nations. Toi qui as souvent l'habitude d'imiter, je vais être comme un tel, je vais être comme un tel. Bien-aimé, toi tu es toi. Tu dois savoir que tu es une pièce unique.
on ne peut jamais te remplacer. Amen. Même si vous êtes des jumeaux ou des jumelles, on ne pourra jamais te remplacer. Oh non, moi je vais imiter. Dans la vie, il ne faut jamais avoir l'habitude d'imiter. Amen. La raison pour laquelle David, le jour qu'il voulait attaquer Goliath, quand le roi Saul lui a donné ce vêtement, cette tenue militaire, David, il a essayé de marcher avec ça. Il a essayé. Il a dit que non. Il ne peut pas imiter roi Saul. Amen. Il a abandonné cette tenue. Il a dit non, avec cette tenue, je ne peux pas me battre avec cet homme-là. Parce que je ne suis pas habitué. Il était obligé d'enlever le tenue qu'il avait porté. Et quand David était resté comme d'habitude, c'est alors qu'il avait eu l'opportunité de tuer Goliath. Ça passe? Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole? La Bible nous dit, Israël, il a dit, non, nous voulons être dirigés par des rois comme font d'autres nations. Or, Israël avait oublié qu'il était une nation mise à part. Est-ce que tu peux dire avec moi, mise à part? Mise à part. Je suis un peuple mise à part. Amen. Amen. Tu es unique, bien-aimé. Amen. Et pourquoi, vous savez pourquoi Israël avait demandé d'être dirigé ou gouverné par des rois? Ok, je vais vous parler ça. Ouvrons nos Bibles. 1 Roi chapitre 8. À la maison, vous allez lire du premier verset jusqu'au verset 20. Mais nous allons lire pour l'instant que le premier verset jusqu'au verset 3 et après nous allons relire le verset 7. 1 Samuel chapitre 8. Non, Samuel plutôt. 1 Samuel chapitre 8 verset 1 à 3 et après nous allons lire le verset 7. Samuel 8, verset 1 à 3. Et après, nous allons lire le verset 7. 1 Samuel 8, verset 1 à 3 et 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque Samuel devient vieux, il établit son fils juge sur Israël. Son fils premier-né s'est nommé Joël. Et le second, Abija. Ils étaient juges à Béer Sheba. Le fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livrèrent à la cupidité, recevaient des présents et violant la justice. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel. Lis d'abord le verset 5, après tu lis le verset 7. Le verset 5. Ils lui dirent. Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Le verset 7. Non, 6 à 7. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donnez-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoutez la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui te rejette, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Amen. Amen. Écoute, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que Samuel, qui était prophète en Israël à cette époque, il était devenu vieux. Donc Samuel, il était prophète en même temps, il était juge en Israël. Et comme Samuel était devenu vieux, il ne pouvait vraiment pas diriger Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit que Samuel avait choisi deux de ses fils, l'autre qui s'appelait Joël et l'autre Abija. Et il les a nommés comme des juges à Beersheba. Beersheba, c'est l'endroit qu'Abraham avait construit sa puits.
Amen. Amen. Alors, bien aimé, Joël et Abija, qui étaient nommés comme des juges en Israël, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas agréables aux yeux de l'Éternel et aux yeux du peuple. Et les peuples se sont révoltés. Les peuples se sont réunis. Les anciens se sont réunis et ils sont allés voir Samuel en lui disant ceci. En lui disant, écoute les versets 4 à 5. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Ne marchent point sur tes traces. C'est-à-dire que Samuel il marchait bien devant le Seigneur. Mais ses enfants, au lieu de suivre les traces de Samuel, qui est leur père, ils ont dévié les traces de Samuel. Ils ont commencé à violer la justice. Violer la justice, ce qui veut dire, c'est tout simplement que de ne pas obéir à la parole de Dieu. Ils ont commencé à faire de n'importe quoi. Et c'est alors que le peuple se sont révoltés en disant, non, si c'est comme ça, nous ne voulons plus être dirigés par des juges, nous voulons maintenant être dirigés par des rois comme font d'autres nations. J'ai deux points que je vais vous parler. Premier point, nous étant donné que nous sommes des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu nous a élus, si Dieu nous a choisis, c'est pour diriger l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous sommes obligés ou nous sommes appelés à marcher dignes devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui prêchent la parole de Dieu en disant, faites ce que moi je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je fais. Mais non, c'est le contraire. Nous sommes les imitateurs de Christ. Et l'apôtre Paul d'ailleurs nous dit que vous allez m'imiter comme moi j'imite le Seigneur. Donc nous sommes les imitateurs de Christ. Étant donné que nous sommes des imitateurs de Christ, toi aussi, tu es obligé de nous imiter. Amen. Alors le peuple s'est révolté en disant que bon, nous ne voulons plus être dirigés par des juges, mais nous voulons maintenant être dirigés par des rois. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit au verset 5, au verset 6 plutôt, Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Avec un des plaisirs. Donc c'est-à-dire que Samuel n'était pas content. Il a dit, la Bible nous dit, il a prié l'Éternel. Et l'Éternel a répondu à Samuel en disant, bon, faites comme ils veulent. Donc c'est-à-dire, comme ils ont demandé un roi, alors tu vas choisir un roi qui va les gouverner. Mais ils vont savoir que ce roi-là, il va prendre les jeunes filles, ils seront les travailleurs, vont travailler dans, pour les parfumeries ou soit des boulangers pour fabriquer du pain. Et le roi aura droit à un salaire. Malgré cela, le peuple pouvait dire, bon, si c'est comme ça, nous voulons rester toujours avec des juges. Mais ils ont toujours accepté d'être dirigés par des rois. Alors, la Bible nous dit maintenant l'histoire d'un certain Saoul. Un jour, le papa de Saoul a perdu son brebis. Et pendant qu'il cherchait le brebis, Saoul il a dit, non, moi je vais aller chercher le brebis de mon père qui est perdu. Et pendant qu'il cherchait le brebis, Saoul, il avait un homme qui était comme son esclave. Cet homme lui a donné l'idée que non, je connais un voyant qui est juste ici à côté. À cette époque, on appelait les prophètes aussi les voyants. Nous pouvons consulter ce voyant, il va nous dire où est-ce qu'il se trouve notre brebis qui est perdu. Amen. Amen. Et Saoul qui va demander maintenant à son serviteur en disant, mais nous n'avons rien à donner à l'homme de Dieu. Parce qu'on ne pourra jamais venir devant un homme de Dieu, mais vite. Quand tu viens devant un homme de Dieu, tu vas présenter quand même ton offrande.
tu ne pourras jamais venir devant un homme de Dieu comme ça, bien vite. Et son serviteur lui dira, maintenant, moi j'ai quelque chose ici qu'on va donner à l'homme de Dieu. Et quand ils sont allés maintenant voir l'homme de Dieu, le prophète Samuel, c'est alors que Samuel dira au Saoul que Dieu t'a choisi pour gouverner Israël. Écoute, qu'est-ce qui a fait que Saoul puisse arriver chez Samuel? C'était parce qu'ils avaient perdu quoi? Leur bébé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma sœur, mon frère, tu as peut-être perdu quelque chose de valeur. Mais c'est Dieu qui avait permis pour te bénir quelque part. C'est Dieu qui avait permis peut-être pour t'élever. Tu as perdu peut-être de l'argent. Peut-être tu as perdu du travail. Tu as perdu peut-être un être qui était très cher dans ta vie. Mais Dieu avait permis cela pour ton bien. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, mais dans l'avenir, tu vas comprendre que c'était de la volonté de Dieu. Amen. Alors, Samuel était obligé de oindre qui? Saoul, pour gouverner ou pour diriger Israël. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien maintenant. Maintenant, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Saoul, comme il devait oindre Saoul comme roi en Israël, mais l'huile qu'on devait oindre Saoul comme roi était sur une bouteille. Lisons les Écritures. 1 Samuel chapitre 10, verset 1er. 1 Samuel chapitre 10, verset 1er. 1 Samuel chapitre 10, verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qui répandue sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ok. La Bible nous dit que Saoul et Samuel avaient pris une quoi? Fiole d'huile. Merci pour tous ceux qui me suivent. Samuel avait pris une fiole d'huile. À la tête, fiole, on l'appelle fiole, fiala, qui veut dire petit flacon de verre. La raison pour laquelle j'ai pris cette bouteille pour montrer l'exemple au peuple de Dieu. Amen. L'huile qu'on avait au moins, Saoul était sur une bouteille. Amen. Amen. Or, une bouteille, c'est une chose qui a été créée par les mains de qui? Des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire l'élection du roi Saoul, ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Amen. Mais c'était selon la volonté des hommes. Amen. Laisse-moi te dire, ma sœur, mon frère, il y a des fois où nous demandons des choses à Dieu, au lieu de demander que ta volonté soit faite, nous insistons. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Et Dieu peut te les donner parce que tu as demandé avec insistance. Mais comme ce n'est pas de la volonté de Dieu, il y aura des problèmes sérieux qui vont arriver dans ta vie. Et par après, tu vas commander à condamner Dieu en disant, mais pourquoi moi j'avais demandé telle chose, Dieu me l'a donné, mais maintenant il y a trop de problèmes qui arrivent dans ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait donné, pas selon sa propre volonté, mais c'est parce que tu avais beaucoup insisté. Ça passe? Amen. C'est comme même nous, étant donné que nous sommes des parents à la maison. Un enfant peut te demander quelque chose tellement que tu lui dis, non, pas ça. Je vais t'acheter une autre qui sera meilleure que ça. Mais tellement que l'enfant est en train d'insister, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé de lui donner. Mais après, quand ça va perdre bien, ça va se casser, il viendra te dire, papa, regarde ce que tu m'avais acheté, c'est déjà cassé. Et tellement qu'Israël avait insisté, Dieu a dit à Samuel, bon, ce n'est pas grave, ouais, Saoul comme roi en Israël. Or, une fiole, c'est une chose qui est créée par les mains des hommes. Et la raison pour laquelle Saoul craignait les gens.
Je n'ai pas le temps de tout vous donner des versets, mais je peux même vous donner des versets, comme ça vous allez lire ça à la maison. Amen. Amen. Vous allez lire 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13, vous commencez à le dire à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Qu'est-ce qui était arrivé? Saoul craignait les gens. Israël était en guerre contre les Philistins. Comme Israël était en guerre contre les Philistins, oh, normalement. Amen. 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 Ok. Normalement, Saoul, il était obligé d'attendre qui? Prophète Samuel, pour offrir d'abord un holocauste à Dieu avant de commencer la guerre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, qu'est-ce qui va y arriver? Saoul, qui était entouré avec ce peuple, il a attendu l'arrivée de Samuel. Étant donné que Samuel était prophète, il devait être là présent pour offrir l'holocauste à Dieu. Et Samuel devait arriver dans cet jour. Et comme Samuel retardait d'arriver, Saoul, il a vu que les gens commençaient à se disperser. Il a dit, mais non, si moi je reste toujours comme ça pour attendre Samuel, le peuple va tous disperser. Alors je suis obligé d'offrir l'holocauste à Dieu. Or, il devait attendre l'arrivée de qui? De qui? Samuel. Le prophète, hein? Samuel. Il s'est précipité pour offrir l'holocauste à l'Éternel. Et quand le prophète Samuel est arrivé, le prophète Samuel va lui demander, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit quoi? Maintenant, comme toi tu tardais à arriver, et la raison pour laquelle je vis que le peuple s'est dispersé, moi j'étais obligé d'offrir l'holocauste à l'Éternel parce que toi tu tardais. Et c'est alors que Dieu avait rejeté Saoul. Laisse-moi te dire, Dieu t'a choisi. Tu dois faire quelque chose pour plaire à Dieu, mais non aux hommes. Amen. Si tu faisais des choses pour plaire aux hommes, bien-aimés, cela veut dire que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Mais si réellement tu es un serviteur de Dieu, tu es condamné à faire des choses pour plaire à Dieu. Amen. Et voilà maintenant la raison pour laquelle l'huile qu'on avait ouin, Saoul, était sur une bouteille ou sur une fiole. Une bouteille ou soit une fiole, c'est une chose qui a été créée par les mains des hommes. Je peux vous donner l'exemple? Suivez-moi bien. Si je prends cette bouteille et que je lâche, qu'est-ce qui va y arriver? Suivez-moi bien, je vais lâcher la bouteille. Attention. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est cassé. Pourquoi? Parce que c'est une bouteille, c'est une chose qui a été créée par les mains de qui? Je vais maintenant te demander une chose. Tu es élu par Dieu pour lui servir ou bien tu es élu par des hommes? Si tu es élu par des hommes, un jour tu vas te casser comme ça, comme cette bouteille. Amen. Amen. Et maintenant, Dieu s'est décidé d'arracher la royauté entre le maître Saoul et de donner à qui? Merci beaucoup, ma sœur. Oh! En réalité, une royauté, ça reste éternel. Amen. Donc, une royauté, ça reste dans une famille que Dieu a élue. Famille royale. C'est-à-dire, si le père meurt, c'est son fils qui va gouverner. Si le fils meurt, maintenant c'est le fils de son fils qui va gouverner. C'est toujours comme ça. Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu a rejeté Saoul et il s'est choisi un homme qui répondait au nom de David. L'homme est selon mon cœur. Ça passe? Amen. Ça reste? Amen. Tu veux être David? Amen. Ou bien tu veux être Saoul? David. David, hein? Amen. Tu vas les comprendre maintenant. Lisons les Écritures. 1 Roi chapitre 16. Et Samuel plutôt. 1 Samuel chapitre 16. Commençons à lire à partir du verset 1er. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Saoul, «
quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Tu l'as rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaï, Isaï Bethlehemien. Car je vis parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous dit au premier verset, l'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saül? C'est-à-dire, Dieu avait déjà jeté Saül. Mais Samuel, étant donné qu'il était prophète, écoute, je vais vous dire une chose. Le vrai prophète, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Imaginez, Samuel était aussi prophète. Mais il pouvait savoir que Dieu a déjà rejeté Saül. Mais il ne savait pas. Oh non, je vais chercher un prophète pour prophétiser pour moi. Il est comme un prophète. Moi, je suis comme un apôtre. Il y a d'autres qui sont comme des pasteurs, comme des évangélistes. Mais les véritables prophètes, les véritables apôtres, les véritables docteurs, les véritables évangélistes, les véritables pasteurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pendant que Samuel plairait pour Saül, Dieu lui dira, arrête de plaire pour Saül. Écoute, il y a d'autres personnes qui sont sous la malédiction. Inutile de prier pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que peut-être c'est Dieu lui-même qui est en train de maudire ces gens. Et Samuel ne savait pas. Et Dieu lui a dit que quand cessera-t-il de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je l'ai quoi? Rejeté. Oh, Dieu a rejeté d'autres personnes pour que toi tu règnes à la place de ces gens-là. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Tu ne m'as pas bien saisi. Amen, amen. Dieu a rejeté d'autres personnes pour que toi, tu puisses régner aux places de tous ces gens-là. Amen. Et la raison pour laquelle Dieu avait permis qu'on puisse tuer Aman, pour que Mardoché puisse régner à la place de qui? D'Aman. Le malheur des autres font du bien pour d'autres personnes. Amen. Alors Dieu dira à Samuel, afin qu'il ne règne plus sur Israël, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaï Bethlehemite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour un roi. Dieu qui va dire au prophète Samuel, prends quoi? Bouteille? Quoi? Prends quoi? La corne. Tu as déjà vu une corne? Oui. Où? Ici. Ici? Amen. 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 Prends ta corne. Voici la corne. Prends ta corne. C'est-à-dire Samuel avait une corne qui restait toujours dans sa maison pour le service de l'Éternel. Donc cette corne ne pouvait pas sortir tous les jours. Non. Suivez-moi bien. Samuel est obligé d'obéir à la parole de qui? De Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le souverain. C'est lui qui l'envoie. C'est lui qui dira. Et Samuel est obligé d'obéir. Mais imaginez maintenant, il y a une différence entre l'onction de Saül et l'onction de... David. Est-ce que vous comprenez cette différence? L'huile qu'on avait où est Saül était sur une bouteille. Or, une bouteille, c'est une chose qui a été créée par les mains des hommes. Mais tandis que l'élection de David comme roi en Israël, l'huile qu'on avait où est David était sur une corne. Or, une corne, c'est une chose qui a été créée par Dieu lui-même. Ça peut tomber, mais ça ne pourra jamais se casser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La raison pour laquelle Dieu le met dans le Seigneur, la royauté.
David continue jusqu'à aujourd'hui. Amen. On appelait Jésus qui, fils de qui? Bartimée avait appelé Jésus qui? Fils de David. Pourquoi fils de David? Parce que sa voix était éternelle. Merci, amen. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Donc, même Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, il est de la généalogie de David. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous croyons à qui? À Jésus. Il est le fils de qui? De David. De David. Amen. Amen. Alors, quand j'étais en Israël, j'ai remarqué une chose qui m'a étonné. Dans chaque boutique, ils avaient aussi des cornes à vendre. Ça coûte cher en Israël. Ça coûte au moins 250 shekels. À peu près 50 euros, 60 euros comme ça. Et j'ai demandé l'explication. On me dira ceci. Quand Dieu avait dit à Abraham de l'offrir Isaac à sacrifice, Isaac et Abraham voulaient aussi sacrifier Isaac. Et Dieu avait dit à Abraham de ne pas l'offrir Isaac en sacrifice, de l'offrir quoi? Un bélier qui était juste à côté. Alors, Abraham avait obéi à la parole de Dieu. Il a donné comme sacrifice à Dieu ses béliers. Et il avait gardé ses deux cornes. Et l'utilité de ces cornes, c'était quoi? Pendant qu'Israël était en fête, il devait sonner. C'est comme une trompette. Malheureusement, les miens n'ont pas un trou ici. Mais ce que j'ai vu en Israël, à Jérusalem, il y a un petit trou ici. Il va commencer, les gens vont commencer maintenant à souffler comme ça. Et tout le monde va comprendre qu'il y a peut-être une fête au pays, ou soit il y a un problème au pays. Amen. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, des cornes ont des valeurs extraordinaires chez les Juifs en Israël. Et il continue à obéir tout ce qui est écrit dans la Bible, que ce soit Ancien Testament ou Nouveau Testament. Mais tandis que chez nous aujourd'hui, il y en a d'autres qui disent non, c'était seulement pour les Anciens Testaments, pas pour les Nouveaux Testaments. Or, Jésus nous a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Mais pour faire quoi? Pour accomplir. C'est-à-dire, que ce soit pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous sommes obligés de l'obéir. Amen. Amen, amen. Alors Dieu a dit maintenant au prophète Samuel de mettre l'huile dans sa corne et d'aller oindre qui? David. Non, il n'avait pas cité le nom. Les fils des Ah, merci beaucoup. Puisque même le prophète Samuel, étant donné qu'il était prophète, il parlait avec Dieu, il ne savait pas qui il va oindre. Mais c'était Dieu lui-même qui connaissait la personne qui sera ouin. Amen. Amen. Vous êtes né dans une famille pauvre, mais Dieu peut seulement te choisir pour régner et pour sauver les autres. Amen. Je vais continuer la lecture. L'Éternel dit à Samuel, quand ce sera-t-il de pleurer sur Saoul, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlehemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une chemise et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je m'arrête d'abord au verset 2. Et Samuel était obligé d'obéir à la parole de Dieu. Mais Samuel qui va demander maintenant à l'Éternel. Mais Saoul, il est encore en vie. Saoul, il est encore en train de régner. Mais malgré que Dieu l'avait déjà rejeté, mais il régnait toujours. Il attendait son dernier jour. Et Samuel qui va demander maintenant à l'Éternel, mais quand Saoul va connaître que moi je suis venu en Israël ou à Bethléem pour oindre un certain fils d'Isaï, il va peut-être me tuer. Et Dieu lui a donné la sagesse en disant, tu vas prendre quoi? Un gémisse. Et
tu vas dire que non, tu es venu pour m'offrir une offrande ou bien un sacrifice. Et Dieu lui a donné la sagesse. Et quand Samuel est allé maintenant dans l'endroit que Dieu lui avait envoyé, la Bible nous dit au verset 3, « Tu inviteras Isaï au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Alléluia. Amen. Suivez-moi bien, puisque après ma prédication, je vais prier pour tout le monde. Amen. Vous allez recevoir l'onction royale. Mais si tu n'es pas sensible, si tu ne suis pas bien à la prédication, tu vas rater ton onction. Tous les jours ne sont pas pareils. Si Dieu a permis que tu puisses être là cet après-midi, c'est parce que Dieu t'a choisi et c'est parce que Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Il faut être très 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 sensible. Tu inviteras Isaï au sacrifice. Isaï était qui? Isaï était le papa de David. Mais Isaï lui-même, pendant qu'il était avec ses enfants, il ne savait pas que parmi ses enfants, parmi ses fils, il y avait eu un roi. Il ne savait pas. Oh, je suis venu te dire, mon frère, ma sœur, comme tu es là, tu es un roi. Amen. Tu es une reine. Amen. Dieu t'a déjà élu. Dieu t'a déjà choisi depuis longtemps. Mais personne ne connaît. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, tu inviteras Isaï au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Dieu savait déjà que c'était David. Mais Samuel, le prophète, ne savait rien du tout. Amen. Samuel aussi était surpris. Il ne savait rien. La Bible nous dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourirent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de vrai? Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de vrai? C'est-à-dire en Israël. L'arrivée d'un homme de Dieu annonçait quelque chose, soit la bénédiction ou soit la malédiction. Amen. Même jusqu'aujourd'hui, la présence d'un homme de Dieu peut amener la bénédiction dans ta vie. Amen. Si cet homme de Dieu est vraiment un homme ouais, si vraiment cet homme de Dieu est un homme qui craint l'Éternel, ça va amener la bénédiction dans ta vie. Amen. Mais si c'est un homme qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, ça peut amener la malédiction dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la raison pour laquelle le peuple demandait au prophète Samuel si son arrivée annonçait quelque chose de vrai. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Et les anciens de la ville accourirent effrayés au devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de vrai? Il lui répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaï et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Alléluia. Oh, bien-aimé. Samuel, un prophète de Dieu, ne savait pas qui est roi dans la famille d'Isaï. Dès qu'il a vu Isaï, il a vu son fils premier-né, Eliab, parce qu'il était un homme géant, il était un homme costaud. Samuel a dit, certainement, c'est celui-ci qui est roi. Et la Bible nous dit quoi? Non. Nous sommes dans quel verset? Verset 6. Merci. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. L'apparence est trompée. Oh, il est beau, hein? Oh, il est gentil, hein? Peut-être c'est un sorcier. L'apparence est trompe. Dieu sonde le cœur et les reins. Amen. Imaginez un prophète qui parlait à Dieu, mais il était ignorant, il ne savait pas. Dieu peut te révéler d'autres choses, mais des choses cachées, c'est pour Dieu lui-même. Amen. Amen.
La Bible, elle nous dit quoi? La Bible, elle nous dit, nous sommes au verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde Aujourd'hui, beaucoup de femmes ou de filles, ils aiment que des hommes qui sont géants, qui sont costauds. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais je vais te dire une chose. Il ne faut pas regarder l'apparence. L'apparence trompe. Tu peux te marier avec un homme parce qu'il est géant, parce qu'il est costaud, parce qu'il est beau. Mais à son intérieur, il peut être un sorcier, il peut être un voleur. Il va te tuer et tu vas regretter. Ça sera trop tard. Écoute ce que la Bible nous dit, que l'homme regarde là. L'homme regarde quoi? L'apparence. Mais l'Éternel regarde quoi? Bien-aimé, même si devant les gens tu n'as pas de valeur, mais si tu as quelque chose de Dieu, devant Dieu, tu as de la valeur. Amen. Et le verset suivant, la Bible nous dit, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit à l'Éternel, n'a pas non plus choisi celui-ci. Quand Abinadab, le deuxième fils d'Isaïe, est sorti, et Samuel il a dit certainement, comme ce n'était pas Eliab, je vois que ça doit être Abinadab. Et l'Éternel lui dira, je n'ai même pas choisi Abinadab. Pourquoi? Le problème c'est quoi? Lui qui était sur la corne de Samuel, lui il ne sortait pas. Amen. Amen. Donc quand Eliab est venu devant Samuel, Eliab disait que bon, je vois vraiment que ça doit être Eliab. Et quand il a essayé de oindre Eliab, lui il ne sortait pas. Quand il a essayé aussi de oindre Abinadab, l'huile ne sortait pas. Mais tandis que dans la corne, il y avait l'huile. Est-ce que Dieu t'a choisi? Est-ce que Dieu t'a appelé? Peut-être que tu es là parce que, bon, comme un tel m'a invité pour aller à l'église, bon, je peux aller. Bien-aimé, fais ce que Dieu te dira. Amen. 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 Nous sommes maintenant au verset 9. Isaïe fit passer Shammah. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe, il a appelé son troisième fils. Et l'Éternel n'avait même pas choisi Shammah, qui était le troisième fils d'Isaïe. Le verset 10. Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun Dieu. Parmi tous ces sept fils qui étaient passés, il n'y avait eu personne que Dieu avait choisi. Mais écoute le verset suivant. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et lui répondit, il y reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les. Il y reste encore qui? Analysez bien ce verset. Restez calme. Bientôt là, je vais prier déjà. Suivez-moi bien. Ramène-la. Puis Samuel dit à Isaïe, sors, c'est là tous tes fils. Et il répondit, il y reste encore le plus jeune, mais. Les gens qui ont beaucoup étudié, dans une phrase, quand on met mais, ça veut dire quoi? Merci beaucoup, l'homme de Dieu. C'est une négation. Mais, c'est-à-dire, si on n'a pas choisi Eliab, on n'a pas choisi Abinadab, on n'a pas choisi Shammah, est-ce qu'on peut choisir David? Amen. Il reste encore les plus jeunes, mais il fait perdre les brebis. C'est-à-dire, si Dieu n'a pas choisi Eliab, si Dieu n'a pas choisi Abinadab, si Dieu n'a pas choisi Shammah, est-ce que Dieu peut choisir David, un berger, un homme, un jeune, illettré, qui n'a même pas
était au bord de l'école, qui n'a même pas étudié, qui n'a même pas eu de diplôme, qui n'a même pas fait des universités. Est-ce que Dieu peut choisir David? Mais je ne sais pas. Mais je ne crois pas. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut te négliger parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu n'as pas de maison, parce que tu n'es pas beau, parce que tu n'es pas belle, parce que tu n'as pas de titre de séjour, parce que tu n'as pas de nationalité. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, je connais un homme qui te considère plus que les hommes de la terre. Amen, amen, amen. C'est l'Éternel, le Dieu le Tout-Puissant. Amen. Si aujourd'hui tu te vois comme tu n'as pas de valeur, mais je suis venu te dire que tu as plus de valeur. Amen, amen. Ah, tu m'as pas saisi. Amen. Ce qui a dit amen, que ça reste ainsi dans sa vie. Amen. 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 Mais il fait perdre les brebis. C'est-à-dire un homme qui perd les brebis. Est-ce que Dieu peut le choisir? Oh, Dieu ne regarde pas la taille. Dieu ne regarde pas les études faites. Dieu ne regarde pas ta nationalité. Dieu ne regarde pas où est-ce que tu étais né. Dieu ne regarde pas ça. Si Dieu veut t'élever, il va t'élever. S'il dit oui, et toi tu vas dire amen. Amen. Qui pouvait considérer un jeune garçon comme David? Rien du tout. Mais Dieu le connaissait. Dieu le savait. Amen. Amen. Oh, si c'était en Afrique, on pouvait juste acclamer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Amen. Répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors, Samuel, comme il était un homme de Dieu, il savait que son Dieu ne ment pas. Si Dieu lui avait envoyé chez Isaïe, c'est-à-dire, il y a un fils qui deviendra roi en Israël parmi tous les enfants d'Israël. Amen. Et qu'est-ce que Samuel va dire? La Bible nous dit, Samuel a dit ceci. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous. Bien-aimé, ta bénédiction est là. Ta bénédiction doit t'attendre. L'homme de Dieu était obligé de rester chez Isaïe pendant tout ce temps que David était dans la forêt. Il était obligé d'attendre David. Pourquoi? Parce que David était un homme choisi par Dieu. Il était un homme élu par Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Malgré ses faiblesses, malgré que David avait commis l'adultère avec Bathsheba, mais Dieu l'appelle toujours l'homme selon mon cœur. Mais Saoul avait fait aussi des péchés, mais Dieu l'a rejeté directement. Écoute bien aimé, il y a d'autres personnes que Dieu ne compte pas leurs péchés, Dieu ne regarde pas leurs faiblesses. Si toi tu dis que non, je veux faire comme un tel homme, je veux faire comme une telle femme, tu vas mourir et tu vas regretter. Amen. Amen. Et David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, la Bible nous dit, nous sommes au quel verset? Verset 11. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Donc Samuel ne pouvait pas se déplacer sans la présence de David. Le verset 12. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et fais quoi? Fais quoi? Fais quoi? Fais quoi? Fais quoi?
C'était en présence de qui? De tous ses frères. Les autres ont commencé à murmurer. Ah, un petit de rien du tout, lui qui garde des brebis. C'est vrai, il deviendra roi. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à. Amen, amen. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Amen. C'est lui qui dit les derniers mots. Amen. Vouloir ou pas. Amen. Ne regarde pas ton âge. Amen. Oh, je suis déjà vieux. Oh, qu'est-ce que je vais faire encore dans la vie? Amen. Tout est possible à qui? Dieu. Tout est possible à qui? À Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et si tu crois, tu verras le miracle de Dieu. Amen. Gloire, gloire, gloire. La Bible nous dit, Samuel prit la corne. Samuel prit la corne d'huile. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il a ouin au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? David, il a reçu l'onction. Mais quel type d'onction que David avait reçu? L'onction royale. Mais David ne pouvait pas commencer directement à régner. Il devait attendre le temps, son heure. Amen, amen. David a reçu l'onction royale pour régner où? En Israël. Mais David ne pouvait pas directement commencer à régner. Parce que Saul était encore où? Il était encore un roi en Israël. Amen. Amen. Or, qu'est-ce qui va y arriver à la suite de cette histoire? Dieu va créer qu'un esprit mauvais puisse menacer qui? Saul. Amen. Amen. Et Saul, qui est déjà roi, lui qui cherchait à tuer David, mais David, comme il était un homme patient, un homme rempli d'amour, il avait refusé de tuer Saul. Mais Dieu a permis maintenant que Saul puisse être menacé par un esprit mauvais. Et à la fin, qu'est-ce qui va y arriver? Quand Saul est menacé par un esprit mauvais, les gens qui étaient dans le palais royal, ils se sont dit, mais non, mieux vaut qu'on cherche un homme qui sait bien, qui sache bien jouer quoi? La harpe. Et pendant que cet homme va jouer la harpe, le roi sera soulagé. Amen. Amen. Et qui sera cet homme? C'est David. Un homme de rien du tout. Un homme qui n'avait même pas étudié. Un homme qui était toujours dans la forêt, en train de perdre le brebis de son père. On l'a choisi, on l'a oué. Et maintenant, il commence maintenant à exercer sa royauté petit à petit. Et écoute, la Bible nous dit, on est allé chercher David. Pendant que David jouait la musique, Saul, qui était tourmenté par des démons, il était soulagé. Oh, les chantres, laisse-moi vous dire, pendant que vous allez chanter pour la gloire de Dieu, pendant que vous allez chanter pour rendre gloire à notre Seigneur, il faut que les possédés puissent être délivrés. Amen. Ce n'est pas du tout bien de venir chanter seulement comme ça, charnellement. Tu n'es même pas rempli d'onction, tu n'es même pas rempli de la puissance de Dieu. Mais or, ici, la Bible nous dit, pendant que David chantait la musique, Saul était soulagé. Parce que David était rempli de l'onction royale et de l'onction de la musique. Pourquoi tu avais permis ça? Parce que David, étant donné qu'il est déjà oué, mais il ne savait pas comment gouverner. Amen. Amen. David ne savait pas comment être roi. Comment un roi accueille les visiteurs. Comment un roi doit donner des discours. Comment un roi va faire ceci, va faire cela. C'est la raison pour laquelle on était allé chercher David pour qu'il soit vraiment un chantre chantier pour que le roi Saul soit soulagé. Or, c'est Dieu qui avait permis pour que, pendant
ce temps-là que David puisse apprendre. Quand je serai roi, comment je dois faire? Comment je dois diriger? Comment je dois gouverner? Amen. Dis ta oui, mais il ne faut pas précipiter. Il faut attendre le temps. Et par après, David était devenu roi après la mort de qui? De Saül. Après l'onction que David avait eue de la part du prophète Samuel, la Bible nous dit, à cette époque-là, David était encore un peu tranquille. Il n'y avait pas vraiment de problème de la vie de David. Mais quand est-ce que les problèmes avaient commencé? Quand est-ce que les combats ont commencé dans la vie de David? La Bible nous dit, dans 2 Samuel chapitre 2, verset 4. 2 Samuel chapitre 2, verset 4. 2 Samuel chapitre 2, verset 4. Je le redisais. Amen. Les hommes de Juda virent, et là ils voignèrent David pour roi sur la maison de Juda. On informe David que c'était le gens de Jabès et Galad qui avaient enterré Saül. C'est bon. Amen. 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 Après l'onction que David avait reçue de la part des prophètes Samuel, la Bible nous dit, deuxième onction que David avait eue ou avait reçue, c'était les hommes de Juda. Les hommes de Juda se sont réunis et ils ont invité David. Et David, quand il est arrivé, on l'a oué encore pour la deuxième fois. Amen. Mais David n'avait pas encore commencé à gouverner. Il attendait toujours la mort de qui? De Saül. De Saül. Ma sœur, mon frère, Dieu peut te oindre, Dieu peut te lever, Dieu peut te donner l'onction dans ton église. Mais cela ne veut pas dire que tu vas commencer directement à gouverner ou à diriger. Mais étant donné que ton pasteur est encore là, humilie-toi. Attends ton tour. Dieu ne peut jamais élever des personnes à la fois. Amen. Dieu élève chaque personne à son temps. Amen. David avait déjà l'onction. Il pouvait même tuer Saül pour commencer à régner. Mais non, David, il a attendu que Dieu lui-même puisse s'en charger de Saül. Et troisième onction que David avait reçue, 2 Samuel chapitre 5, versets 1 à 4. Je lis rapidement au nom de Jésus. 2 Samuel chapitre 5, versets 1 à 4. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dire, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Pour la troisième fois, on l'a oué encore pour qu'il puisse maintenant régner sur tout Israël. Puisqu'il régnait d'abord dans des petites villes, villages. Et par après, David maintenant, il a eu la troisième onction pour régner sur tout Israël. C'est-à-dire, ton onction doit croître. Il faut aimer l'onction. Il faut aimer la puissance. Si tu as l'onction, bien aimé, même dans ta maison, tu vas donner des solutions aux gens qui ont des problèmes. Tu vas prier pour eux et Dieu va agir parce que tu as l'onction. Nous avons plusieurs sortes d'onctions. Il y a l'onction financière. Tu ne vas pas manquer d'argent. L'onction shalom, ça donne que la paix. Si les gens ont des problèmes, toi quand tu arrives, tu pries directement, les gens vont avoir la paix. Nous avons l'onction de musique, ça c'est pour les chantres. Pendant qu'ils vont chanter, les miracles vont s'opérer, les démons vont s'enfuir, bien aimé. Nous avons
l'onction des miracles. Quand il prie, il y a des guérisons, il y a des miracles. Nous avons plusieurs sortes d'onctions. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de tout détailler, de toutes sortes de l'onction. Et écoute maintenant, après la troisième onction que David avait reçue, le combat a débuté maintenant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au début, que l'onction attire. Quand il y a l'onction, ça va attirer. Ça va attirer quoi? La bénédiction, l'élévation, les succès, les réussites, et ça va attirer aussi les ennemis. Tu auras aussi des problèmes. Ça va commencer même dans ta maison. Ça va commencer même aux gens de ta propre famille. Écoute, quand David avait une troisième onction, qu'est-ce qui était arrivé? Deuxième roi, toujours, chapitre 5, versets 6 à 10. Et c'est là que nous allons clôturer notre prédication. Et je vais prier pour tout le monde. Deuxième Samuel, chapitre 5, versets 6 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même et les boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ces jours, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus. Suivez-moi, le verset 10. Suivez-moi. Je vais clôturer. Le verset 10. Qui peut lire? Le verset 10. David, la Bible nous dit quoi? David devenait de plus en plus. David devenait quoi? De plus en plus grand. Devenu quoi? Hein? De plus en plus grand. Cela ne veut pas dire qu'il devenait de plus en plus grand en taille. Non. Mais la Bible nous dit que David devenait de plus en plus. Non. C'est-à-dire quoi? Il devenait puissant. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'onction. La Bible nous dit que David voulait maintenant aller dans cette ville. Et les gens de cette ville, ils se sont décidés en disant que David ne peut même pas passer par là. S'il va essayer de passer par là, il y aura des aveugles, des boiteux qui vont l'empêcher de ne pas entrer dans cette ville d'Égyptien. Le combat a débuté. Parce que David était loin. Et la Bible nous dit que David était résidé dans la cité de David. On était là dans la cité de David. J'ai vu même le palais royal du roi David. J'ai vu même l'estrade là où David s'est promené pendant que Bathsheba était en train de se baigner. On appelle ça cité de David. C'est à Jérusalem, juste à côté de la mire de lamentation. Amen. Les gens ont commencé à combattre David. Mais David, comme il avait déjà reçu l'onction, la Bible nous dit, il devenait de plus en plus. De plus en plus grand, c'est-à-dire puissant, parce qu'il avait reçu l'onction. Ma soeur, mon frère, je vais m'arrêter par là. Mais je veux juste te dire une chose, que cet après-midi était réservé pour toi. Amen. Cette bonne journée est une journée spéciale. Toi qui es là, tu ne vas pas rentrer comme tu es devenu. Amen. Tu seras rempli de l'onction royale. Amen. Et comme tu vas recevoir cette onction, écoute, je vais te dire, c'est à toi maintenant de se décider. Si tu veux être élevé, sache que il y aura aussi des problèmes qui vont arriver dans ta vie. Amen. Il y aura aussi des combats. Dans les jours à venir, vous allez passer ici devant pour témoigner. Que les jours que l'apôtre nous a prié pour nous, j'avais constaté ceci, j'avais remarqué cela. Mais après cela, j'ai vu la bénédiction et j'ai vu ici des problèmes qui est arrivé dans ma vie. Amen. Et c'est à toi maintenant de décider si tu vois que non,
moi je ne vais pas recevoir cette onction, tu restes. Parce que cette onction, ça va t'apporter la bénédiction. Amen. Et ça va t'apporter aussi des problèmes. Est-ce que tu seras capable d'affronter les problèmes comme Amen. David? Amen. David était ouin, malgré qu'il y avait des problèmes, mais David avait affronté tous ces problèmes. Amen. Je vais maintenant prier pour l'église. Je veux que vous soyez remplis de l'onction royale. Je veux que vous soyez remplis d'une forte onction. Et cette onction va marquer la différence dans vos foyers, dans votre travail. Même les démons n'auront même pas le temps de vous approcher. Parce que vous êtes remplis d'une forte onction. Il y aura des démons qui vont s'enfuir pendant que je vais commencer à prier pour vous. Pendant que je vais commencer à vous oindre de cette huile qui est remplie de l'onction. Cette huile qui vient d'Israël, de laquelle sainte est remplie encore de l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois déjà l'onction qui commence à circuler parmi nous dans la salle. Si tu es sensible, tu vas recevoir cette onction. Alors j'inviterai toute l'église de vous mettre debout. L'onction royale. Si tu veux que ta vie puisse changer, il ne va t'approcher devant. Tu vas t'approcher ici devant et je vais prier pour toi pour que tu sois loin de l'onction royale, pour que ta vie change et que les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent à travers l'onction que tu vas recevoir cet après-midi. Soyez bien concentré. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant dans ta vie. Tout à l'heure, je vois qu'il y a un esprit qui te tourmente. Et Dieu va te délivrer maintenant même. Il faut être bien concentré. Si tu es bien concentré, ma sœur, qu'elle soit remplie de ta puissance. Reçois! Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Que ta vie change maintenant. Que ta vie change. Reçois l'onction royale. Que ta vie change. Que ta vie change. Que le miracle t'accompagne. Que le miracle t'accompagne. Que ta vie change. Au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent maintenant. Dans ta vie. Au nom de Jésus. Sois bien rempli de la puissance. Au nom de Jésus, que l'onction te touche. Que tu sois saisi par l'onction du Saint-Esprit. Allez, sois rempli de l'onction royale. Seigneur, que ton onction touche. Oh, Rabatakashi, que le reçois.
Reçois. Que ta vie change au nom de Jésus. Que ta vie change au nom de Jésus. Que ta vie change. Que ta vie change. Reçois l'onction royale. Reçois l'onction royale. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris pour ma sœur. Je sois rempli de ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je commence à chasser tout esprit impur qui va menacer la vie de ma sœur. Je t'ordonne maintenant de libérer ce corps. Au nom de Jésus, que soit rempli de ta puissance, que ton onction touche le corps, l'âme et l'esprit de ma sœur, et soit libéré au nom de Jésus. Merci Jésus. Ton esclave, merci pour l'onction royale, merci pour le miracle dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma sœur, au nom de Jésus, que sa vie change maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois l'onction royale maintenant, reçois l'onction royale, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour ma sœur. Ils sont remplis de ta puissance. Que lui, donc, soit le corps de sa vie. Au nom de Jésus. Que ta vie change, que ta vie change, que ta vie change. Reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Que les miracles t'accompagnent au nom de Jésus. Merci Jésus, merci pour le miracle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai pris pour ma sœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois l'onction royale. Que ta vie change maintenant au nom de Jésus. Que les miracles t'accompagnent. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci pour le miracle de ta vie. Au nom de Jésus. Que ta vie change maintenant, que le miracle t'accompagne, que les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus. Jésus, merci pour le miracle, dans le nom de Jésus. Merci Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère, qu'elle soit remplie de ta puissance, qu'elle soit remplie de l'onction, que l'onction déborde, que l'onction déborde, que l'onction déborde dans sa vie. Reçois l'onction maintenant. Au nom de Jésus, reçois l'onction royale. Reçois l'onction royale. Et les miracles t'accompagnent. Jésus, merci pour ton onction. Merci pour les changements dans ta vie de ton frère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Son corps, son âme et son esprit.
toi l'option royale. Et sois l'option royale. Que ta vie change. Que le miracle soit perdu dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Seigneur, que le miracle s'opère dans sa vie. Que le miracle s'opère au nom de Jésus. Sur le Dieu des miracles. Qu'elle m'avait appelé. J'ai dit ou bien mercredi? J'ai mercredi. Mercredi, voilà, mercredi soir. Quand j'ai essayé de parler avec maman et après, j'ai prié à travers le téléphone pour maman, pour sa délivrance. Et comme elle a témoigné tout à l'heure, j'avais prié pour elle au téléphone le mercredi. Et depuis, j'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas vu ses maris de nuit qui le menaçaient jour et nuit pendant 50 ans. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le lendemain, quand je l'ai appelé, c'était jeudi ou vendredi, comme ça, elle m'a dit que depuis que tu as prié pour moi au téléphone, ah oui, c'était toi, non? Oui,
Ok, depuis que tu as prié pour moi au téléphone, je n'ai plus vu ce mari de lui là. Amen, amen. Et maman, comme tu es venu dans cette église, amen, et j'ai prié pour toi, à partir de ce jeudi là, jusqu'à ta mort, tu ne verras plus cette église là. Délivré. Amen. Puisque si tu es possédé avec cet esprit de mari de nuit, rien ne pourra marcher dans ta vie. Amen. Et si tu es délivré, tu vas voir maintenant, il y a une grande bénédiction qui va arriver dans ta vie. Amen. Et tu vas te marier. Amen. Amen.